Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne HBiz. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la gestion des finances en couple. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout le contenu qu'on va poster tout au long de cette année. Ce sera vraiment une année dense, une année riche. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater du tout. Ici, on parle de finances, de gestion de finances personnelles. On va parler également d'investissement, de solutions. On va parler de plein de choses qui vont vous intéresser si vous êtes une passionnée de finances ou si vous avez des difficultés à gérer correctement vos finances personnelles. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, dans notre rubrique de gestion de finances personnelles, quelques ingrédients pour gérer correctement ses finances en couple. Donc, c'est une série que je vais tourner en plusieurs vidéos pour vraiment prendre le temps de détailler chaque point et de m'attarder vraiment sur chaque point. Voilà, tous ces points, c'est des points que la majorité des couples rencontrent. C'est des points vraiment que j'ai eu à recenser en formant les couples dans le domaine de la gestion des finances personnelles en couple. Donc, je vais partager avec vous ici quelques astuces, quelques conseils qui peuvent vous aider à améliorer votre gestion financière en couple. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que en tant que couple, chaque couple a une vision qui n'est pas la même pour je veux dire, indépendamment des couples, chaque couple transporte une vision. Donc, en tant que couple, vous devez effectivement connaître votre vision. Ça veut dire où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous voulez réaliser, parce que vos finances personnelles vous serviront simplement à accomplir les projets que vous allez, que ensemble, vous voulez atteindre. Donc, si vous ne connaissez pas ces projets, monsieur et madame, il vous sera difficile de marcher, de fonctionner ensemble pour accomplir ces projets. Et l'une des choses que j'ai énormément remarqué, c'est que parfois, quand vous allez demander à des couples quels sont vos projets, quels sont vos projets sur les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, la plupart, ils n'ont pas de réponse claire. Ils n'ont pas de réponse quantifiable. Et je me dis, ok, là, ça commence à montrer qu'il y a un réel problème. Parce que vous ne pouvez pas arriver quelque part où vous n'avez pas défini d'y aller. En tant que couple, vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller. Vous devez vous donner un cap, un horizon, un point d'arrivée que vous voulez atteindre. Parce que vous allez cheminer justement dans le but de toucher, d'arriver à ce point-là. Donc, si vous ne connaissez pas la destination que vous voulez atteindre, il vous sera difficile de faire les efforts nécessaires ou de mettre en place les mécanismes nécessaires pour arriver à cette destination-là. Donc, en tant que couple, vous devez vous accorder, monsieur et madame, à avoir une vision. Vous devez vous accorder à connaître quelle est votre vision et vous devez travailler à l'écrire. Vous devez travailler à faire découler de cette vision-là des points clés, des objectifs clés que vous allez vous fixer comme objectif à atteindre. Bien évidemment, ces objectifs vont évoluer au fil des années, quand il y aura l'arrivée des enfants, ainsi de suite. C'est des objectifs qui seront ajustables, mais il faut déjà que vous arriviez à vous fixer un cap. Au moins sur 2 ans, 3 ans, 10 ans, vous devez savoir clairement ou pouvoir définir clairement qu'est-ce que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est la première des choses, c'est vraiment non négociable. En tant que couple, la plupart des couples qui se déchirent financièrement ou qui gèrent mal leurs finances personnelles, dans une grande partie des cas, j'ai observé, c'était des couples qui ne savaient pas clairement ou qui n'avaient pas clairement défini qu'est-ce qu'ils voulaient accomplir ensemble. Donc, vous devez le mettre par écrit. Est-ce que vous voulez 10 maisons dans 5 ans? Est-ce que vous voulez créer 5 entreprises? Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Est-ce que vous voulez avoir des enfants qui vont à l'école, peut-être qui ont des comptes bancaires à 5 000 euros, 10 000 euros, qui font un certain type d'école? Prenez le temps de mettre ces choses-là par écrit. Prenez le temps de les quantifier. Prenez le temps de leur associer des coûts. Voilà. Que ce soit en valeur monétaire, que vous sachiez combien est-ce que ça va vous coûter tous ces projets-là. Et maintenant, dans votre gestion des finances, vous allez simplement utiliser ces revenus que vous avez pour aller chercher à accomplir
cette vision-là ou ces objectifs-là que vous vous serez fixés en couple. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'ai également observée, c'est que les couples ne prennent pas le temps d'avoir des temps de communication pour leurs finances. C'est des sujets qu'on va aborder comme ça à la légère, à la va-vite. On va pas prendre le temps de se poser pour faire un budget familial, pour clairement travailler en profondeur sur les objectifs qu'on s'est donnés, pour discuter même des difficultés que monsieur et madame traversent financièrement parlant, ou alors de mettre en commun les informations qu'on a. Il n'y a pas un réel temps de communication ou des temps qualitatifs de communication dans les couples concernant les finances. Et ça, je vais également attirer votre attention. Fixez-vous des rendez-vous mensuels ou hebdomadaires en fonction de vos disponibilités. Prenez ce temps-là pour véritablement parler de vos finances. Vraiment, quand vous êtes au calme, quand vous êtes dans une bonne ambiance, quand vous êtes le plus détendu possible, prenez le temps, mais faites-le de façon sérieuse. Ça veut dire que prenez vraiment des rendez-vous, notez dans vos agendas quels sont les moments favorables où vous pouvez parler de finances et asseyez-vous avec les outils nécessaires pour faire ce travail-là. Vraiment, prenez des temps de communication de qualité pour parler de vos finances. La troisième des choses que j'ai observées, c'est que la plupart des couples également ne s'éduquent pas financièrement. Et ça aussi, c'est un problème parce que parfois, l'un est éduqué et l'autre pas, et donc ça crée un clash. Parfois, les deux n'ont pas du tout une éducation financière et ils essayent de faire certaines choses, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. En tant que couple, vous devez vous former. Vous devez lire les mêmes livres, vous devez apprendre les mêmes choses quand c'est possible, vous devez, ou alors peut-être vous départager les tâches dans là où chacun se sent à l'aise, mais vous devez fonctionner en équipe. Vous devez fonctionner en équipe, vous devez croître, vous devez grandir aussi pour que vos finances personnelles grandissent. Vous devez vous améliorer chacun de son côté, ou alors chacun de son côté et aussi ensemble pour que ça impacte votre gestion de finances personnelles de couple. Donc, c'est les trois astuces que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je reviendrai encore dans cette série pour partager d'autres astuces avec vous. Donc, on se dit à très bientôt pour la deuxième partie de cette série sur la gestion financière des couples. À très bientôt.